Bonjour à toutes et à tous, c'est Voodoo8 de Video Gameplay, c'est reparti pour un nouveau gaming live sur Mac. Donc aujourd'hui on va vous parler de Need for Speed Pro Street, on lui a mis 7,8 sur 10, car ce n'est pas le meilleur opus de Need for Speed que nous ayons vu. Ce jeu a été développé par Electronic Arts et est sorti en 2007 sur les plateformes suivantes, PC, Mac, Xbox 360, PS3, PSP, PS2, Wii et Nintendo DS. Donc c'est un jeu de course sur circuit uniquement et le but est d'être le King Street. Donc là je vais vous montrer le mode carrière. Donc ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'on peut personnaliser sa voiture de A à Z. C'est vraiment ce qui fait la particularité du Need for Speed. Donc là je vais vous faire un grip en Golf GTI. Donc oui, il faut savoir que la maniabilité est vraiment minable sur ce jeu. Et aussi, c'est pas exceptionnel. On a vu des meilleurs Need for Speed. Et le gameplay est pas trop mal. Bon, pourquoi je me pose vraiment une question. Pourquoi dans Need for Speed, il n'y a jamais de conducteur? C'est un peu bizarre. Donc la vue de la voiture, vous pouvez la changer. Il y en a 4 au total. Moi, je préfère celle-ci. Une bonne vue dans ça. Donc alors, voilà, au sol, vous avez des petites flèches vertes qui indiquent un virage parfait. Donc il faut les suivre, enfin, il faut essayer de les suivre. Parce que les suivre, c'est encore autre chose. Et elles peuvent passer au jaune quand le virage est moyen, limite. Et quand elles passent au rouge, c'est que vous avez fait un virage complètement minable et que vous allez aller dans le décor. Donc aller dans le décor, ça c'est vraiment inévitable sur ce jeu, c'est pas possible de faire autrement. J'ai jamais vu quelqu'un qui ne s'est pas pris un truc au moins minimum. Dans ce jeu, il faut surtout pas faire d'erreur de parcours. Parce que là, sinon, c'est fichu. Tout le monde vous passe devant et là, c'est infaisable. C'est du sadisme. Les développeurs, c'est une fois, en fait, on se mange un obstacle et on a perdu la course, bon, pas dans tous les cas, mais dans les trois quarts des cas, on a perdu. Donc ça, c'est bizarre. C'est pour ça que c'est pas le meilleur discours. Là, voilà, donc voilà un exemple. Là, je me suis rendu un obstacle quand j'ai réussi à reprendre le contrôle de la voiture, mais c'était dur. Donc, oui, là, vous avez vous voyez des barres noires en touche, là, je sais pas ce que c'était. C'est le décor qui s'en va, je sais pas pourquoi. Il y a des petits bugs, des fois. Il y a des petits bugs. La version PC bug encore plus que la version Mac, ça je vous l'assure. Je l'ai testé chez un bug, c'est vraiment horrible. Sinon ce Need for Speed il est pas si mauvais que ça. Et je dis que les côtés négatifs, mais bon, côté positif, c'est quand même le seul et le premier Need for Speed qui est sur circuit. Avant, vous n'étiez que dans une ville à faire des street racers. Vous aviez la police aux fesses. Alors que là, parce que c'est ça qui est la particularité qui est bien. Donc moi, j'aime bien, c'est pas mal. Donc voilà, c'était Voodoo8 de Video Gameplay sur un gaming live de Need for Speed Pro Street. Salut, à la prochaine vidéo!